Ce qui était compliqué, la peur déjà de ramener le virus donc à la maison. Je trouve que ce qui a été oublié aussi de notre côté, c'est plus l'aspect psychologique, on va dire. Parce que donc on nous demandait si ça allait bien, mais on n'allait pas plus loin. Donc on nous a dit qu'il y avait une cellule psychologique, mais bon, je vois pas tout le monde faire les démarches pour aller vers la cellule psychologique. Heureusement que les appels entre collègues sont gratuits parce que je pense que ça a un peu explosé au niveau communication pendant le confinement, on va dire. Parce que justement, c'était le seul moyen de communiquer allez, de manière professionnelle, on va dire. Parce que d'habitude, on a des réunions toutes les 2 semaines. Et là, comme il n'y avait pas ce moyen-là, le seul moyen, c'était de téléphoner. Au niveau psychologique, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour la suite, parce que je pense qu'il y a plus d'un de nos collègues qui va en avoir besoin. Donc, nous, on ne doit pas être oublié dans l'histoire, mais je pense qu'on a été un petit peu oublié de ce côté-là.